Naturally, Mikwam. You could have fear in our. Nay, they were. Never one year. The village of Azukongedo lives by the rhythm of the sun, with no electricity nor clean water. In such conditions, half of all newborns die within their first year. Fixa, Rokpo, Gadbu, Makilepa, gauche, 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 en avant, marche, un, deux. The country is known as the sick child of Africa. Of its 10 million inhabitants, half have no access to electricity. Bonjour les élèves. Bonjour. Comment est-ce que ça va bien? Ça va bien. Faites face au mât. Pour toute l'école, garde à vous. Attention pour la montée des poulets. Enfant du Bénin de vous, la liberté de Dieu, recherche le meilleur et enfant du Bénin de vous. Je m'appelle Samson, j'ai 45 ans, je suis un instituteur à Azukongedo. Allez-y. C'est mon village et ce village n'a pas encore amorcé le développement comme je vois ailleurs. Et mon souci, c'est d'œuvrer par tous les moyens de sortir ce village de l'ignorance. C'est bien, on va voir. Les enfants n'arrivent pas à étudier à la maison faute de lumière. Donc on est obligé de revenir sur certaines choses qu'on a déjà apprises. Et cela vraiment retarde l'évolution du programme. Vous n'êtes pas content si le soir vous trouvez la lumière et autour de cette lumière-là, vous allez ouvrir votre cahier? Ça ne donne pas de la joie? Le souhait le plus ardent, c'est d'avoir le courant pour pouvoir bien étudier, évoluer dans ses études et devenir un haut cadre pour Azukongedo demain, ou bien? Oui. Un banc pour vous. Très bien. Il y a beaucoup d'enfants qui quittent le village parce qu'ils n'ont pas les soutiens nécessaires. Partie de CM1 au CM2, s'en vont au Nigeria, pays limitrophe, chercher du travail là-bas. Dès qu'ils commencent pas à grandir, ils s'en vont en aventure, l'exode rural. Certains meurent parce qu'ils sont en quête d'emploi. Ils sont en quête de quoi survivre. Maintenant, l'électricité au village, ça permettra de maintenir ces jeunes-là dans ce village. The lifeblood has left Azukongedo. Today, its 2,500 inhabitants live off subsistence farming. Samson, the school teacher, maintains the land inherited from his father. J'étais en terminale quand mon papa est décédé en 1993.
papa avait de plantation. Je suis son garçon aîné. Laisser ce champ, toute cette peine que le vieux a eu à réaliser ce grand trésor, j'ai jugé bon d'aller entretenir ce champ-là. Je vais chercher quelques yams que je vais mettre sur les buttes et je vais planter, mettre en même temps le coussin. Je protège comme ceci pour que le soleil ne détruise pas. These fertile lands in the heart of the country are capable of producing yams, cotton and corn. Farming is Benin's primary resource, but the land is underexploited without electric pumps for irrigation. C'est une agriculture de subsistance. Hein. Je ne cultive pas pour le commerce parce que les moyens d'exploitation, les moyens pour cultiver ne sont pas vraiment des moyens appropriés. Parce que c'est une agriculture traditionnelle, ce n'est pas mécanisé. Si l'électricité est chez nous, est auprès du paysan, ça diminuera largement ses peines. Tout cela sera transformé, changé par des tracteurs. Et nous aurons vraiment des batteuses, des machines qui même aideront pour la récolte, des machines qui vont transformer nos produits que nous cultivons. Samson's village is preparing to undergo a small revolution. Soon, electricity will be made available to all. In Cotonou, engineer Bruno Atelou promises to bring power. He organizes the volunteers of Electricians Without Borders to bring power to isolated village communities. They purchase the necessary equipment from the Ndokpa market for their mission. Ça va, j'ai moulu, des câbles, VGV. Voilà, 2-5 qu'il nous en faut. Une vingtaine. Enfin, l'ensemble, il faut une vingtaine. Fuses, bulbs, and cabling will do for now, as the most crucial component has already been sent from France, solar panels. Together, they aim to bring this new technology to the country. Le Bénin n'est pas autosuffisant en matière d'énergie électrique. C'est-à-dire que le Bénin n'a pas une source de production à lui. Il doit acheter l'électricité du Nigeria ou du Ghana. Les deux pays sont aussi en crise et ont leurs besoins qui grandissent. Donc, d'où pour nous de chercher au niveau du territoire béninois les possibilités décentralisées électriques. Et donc, l'option photovoltaïque nous paraît la mieux adaptée au Bénin, vu le rayonnement solaire au Bénin. Will the solar panels be enough to lift the country out of poverty? Est-ce que ton petit peut nous aider à envoyer vers la voiture? In rural areas, less than 10% of the population is connected to the national grid, despite the fact that over half the population live in these village communities. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour impulser le développement dans ces micro-villages. On bouge, on bouge, on bouge. With their equipment, they embark on the 7-hour drive to Azukangado. La première fois que j'ai vu ce village, je ne me suis pas senti béninois. Je me dis qu'il y a beaucoup à faire, il y a tellement qu'à faire que nous nous sentons choqués. Les gens ont besoin de peu de quelque chose pour que la vie change à leur niveau. Une petite lumière, un point lumineux dans un village, ça fait plaisir quand même à un enfant, ça fait plaisir à un homme, ça fait plaisir à une nation. Before they reach the village, the convoy makes a stop in the town of Savalou. Bruno has planned a courtesy visit to the royal palace. Though Benin became a republic upon gaining its independence in 1960, each region has kept its own king, as per ancient customs. Bagidi, the 14th of his line, reigns over the region and commands great respect. C'est des choses ici. Bonjour.
Bon, Maya. Tout là, c'est Gaga. Vous vous asseoir. Merci. Nous vous remercions beaucoup pour cette audience. Mon nom, c'est Bruno Atolou. Je suis coordonnateur de l'ONG Action Bénin Solidarité. En essayant d'apporter une petite solution, parce qu'on n'est pas une grande ONG, une petite solution aux problèmes qui minent le développement dans les localités, un peu partout au Bénin. Nous électrifions dispensaires, écoles, ce qu'on appelle infrastructures socio-communautaires. Mais aussi, nous mettons en place une petite activité génératrice de revenus, c'est-à-dire une cabine de recharge où les populations peuvent venir charger leur portable, la batterie de leur portable. Même le soleil, qui est un don, n'est pas aussi gratuit que ça. Il faut ajouter au soleil un certain nombre d'accessoires pour que ça puisse produire l'énergie. Donc panneaux, batteries, régulateurs, etc., etc., et beaucoup d'autres choses, avant que nous n'ayons un point lumineux. Il faut venir faire aussi des expériences au palais. Au palais, ouais. Pas que dans les zones où le palais commence, il faut réfléchir à électrifier aussi le palais. C'est prévu. C'est rentré dans mes oreilles et c'est pas sorti. Voilà. Allez, bon. Solide. The arrival of the electricians in Azukangado brings hope to the people. All domestic life here is defined by constant struggle. Beji, the village midwife, has little time to rest.
In the small hours of the morning, Bruno, Alain and Yannick finally arrive at Azukangado. Bringing with them the power of electricity. Merci. Un accueil comme ça, ça touche énormément et on n'a pas de mots pour expliquer ça. Quoi. Ils sont là, ils croient qu'on est des rois alors qu'on n'est pas grand-chose, on est comme eux. Quoi. Cette chaleur, ce qu'on reçoit, c'est énorme. Qu'on aille vite là, parce que le soleil pointe et la toiture va être chaude. Alors, il faudra mettre les plaques solaires, les modules sur la toiture. Te pose là. Les enfants, cherchez-nous une brique. On cherche juste un support pour incliner les panneaux, pour que le soleil puisse frapper et qu'on puisse charger les batteries. The batteries are charged in only a few hours. In total, 6 panels will be installed in the village. The school, the pharmacy and the village square will all be given power. The locals lend a hand as the panels are installed. Le système photovoltaïque, pour le développer, dès que vous avez les moyens, en 48 heures, vous pouvez déjà créer cette possibilité énergétique très indépendante. Donc, le soleil me paraît le chemin le mieux adapté pour aller à l'autonomisation énergétique du pays. Sanson is overjoyed by the sight of his fully illuminated classroom. Je suis fou de joie. Je ne m'appartiens plus parce que on parlait, mais ça devient ce n'est plus un rêve, mais c'est une réalité tangible. De ce que nous sommes en train de voir et les mots nous manquent pour exprimer et vraiment toute notre satisfaction. The village's spiritual leader looks on with approval as the work gets underway. Each village in Benin has a voodoo priest acting as a link between his people and the divine powers. Toi aussi, vous douez. Bon, un fille me dit,
Some of Benin's voodoo priests are apprehensive regarding the arrival of electricity, as it threatens to undermine traditional belief systems. Benin's climate makes it one of the most suitable locations in sub-Saharan Africa to take full advantage of solar power. But large-scale solar projects have yet to be developed. Only one village in the whole country has received state backing for projects of this kind. Kopkisa, 4 hours outside Azakangado, is almost entirely cut off from the outside world. But over the past year, a solar power station has provided energy for all of the inhabitants. A preferable alternative to fossil fuels, solar power stations can provide enough power to meet a village's needs. Ebe dio tara gbe wa yin nu mi do
D'ailleurs, The team are finishing up their work. Beji, the midwife, is introduced to the clinic's new equipment. D'accord. Dès que vous voulez lancer le jus, un, deux, vous lancez. D'accord. Les deux sont ouverts. En de pareilles circonstances, point n'est besoin de faire de grands discours. Mais où est Ziza? Di weziza elo no wu weziza mo e mi di ono mi eyi to bi azokan ku do to no no Jean-Franc a Bruno mi do no bi mi to Bruno ze ko klo a suelo da sinawe e a travers lui toute la délégation eyi wutu na yi nu ko we wa mi di ona yi nu ko je di to. Vous touchez? Voilà. Il y a beaucoup d'émotions à chaque fois quand la lumière s'allume pour la première fois et on voit les yeux s'ouvrir en grand, les enfants qui sont tellement heureux. C'est que du bonheur. Bon, dans le doute, c'est pourquoi il a pris la sucrerie. Plaisir, hein? Voilà. Le doute n'a pas de sens dans ma vie. Dans mon existence, j'ai toujours espoir. Il y a toujours à faire, il y a toujours une possibilité. Le Bénin regorge d'un potentiel énorme. Il suffit d'un petit déclic. L'Afrique peut partir de ce potentiel, développer, n'est-ce pas, le système photovoltaïque, et puis vendre même à l'extérieur, vendre peut-être à l'Afrique blanche, à l'Europe, etc., etc. Tout ne doit pas venir du Nord. Bruno's electric revolution will allow Azukangado to accelerate its development. The village square is now a more active hub as a nightlife is beginning to develop. To this day, the country still imports 80% of its electricity. But the village has been swept with renewed ambition as the government has promised to attain energy independence by 2020.